Alors, je suis professeure au département de sciences politiques à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Je suis aussi responsable de l'axe politique publique et santé des populations du réseau de recherche en santé des populations du Québec. Et mes domaines de recherche sur lesquels je travaille, c'est essentiellement autour de comment est-ce que la santé devient un enjeu pour des politiques publiques qui ne sont pas des politiques de soins. Puis en particulier, comment est-ce que les municipalités viennent à s'intéresser à des enjeux qui sont pas des enjeux, qui sont des enjeux de santé, mais qui n'ont pas rapport aux soins. Donc, comment est-ce qu'elles peuvent utiliser leur politique de transport actif, d'aménagement urbain pour améliorer la santé de la population? Ça me semble important. La raison principale, je pense qu'on l'a très bien vu avec la pandémie, c'est que ce qui influence l'état de santé de la population, certes, ce sont les soins, mais ce sont aussi des activités de prévention, de promotion de la santé, de surveillance. Certaines sont sous le contrôle des autorités ou des acteurs de santé publique, mais il y a un certain nombre d'autres facteurs vraiment importants qui ont une grande influence sur la santé de la population qui ne sont pas sous le contrôle des acteurs de santé publique. Puis là, je pense aux déterminants sociaux tels que le revenu, le logement, le type d'emploi occupé, les inégalités sociales, le milieu dans lequel on vit, les rapports... les rapports sociaux, je pense au racisme dans la société, tout ça, ce sont des facteurs qui vont influencer l'état de santé des individus à l'intérieur d'une collectivité, à l'intérieur d'une société. Et donc, pour réussir à améliorer la santé de la population, il va falloir agir sur des politiques publiques qui ne sont pas sous le contrôle des autorités de santé publique, donc des politiques d'emploi, des politiques sociales, des politiques d'aménagement urbain. Et pour ça, il faut créer une nouvelle façon d'intervenir en santé publique. Puis, les évaluations d'impact sur la santé, ce qui fait l'objet de ce dossier spécial de la revue Santé publique, c'est un des instruments et des moyens qui existent pour faire en sorte qu'on va créer un dialogue entre la perspective de santé publique puis la perspective de ces autres secteurs d'action publique. Alors, pour moi, c'est les évaluations d'impact sur la santé, mais c'est un instrument qui est intéressant parce qu'à la fois, il y a une dimension technique, donc on a une méthode pour évaluer les impacts, mais on a aussi une dimension sociale et une dimension politique parce qu'on crée un dialogue entre les acteurs pour essayer de les amener à se comprendre puis à comprendre les enjeux d'une façon partagée, même si elle n'est pas nécessairement complètement commune, mais au moins réussir à s'entendre sur quelques éléments pour réussir à intervenir sur ces déterminants de la santé de la population. Les évaluations d'impact sur la santé, ce n'est pas juste une méthode, mais c'est aussi un processus politique et un processus social. Puis c'est vraiment le parti qu'ont pris les coordonnateurs et les auteurs dans ce numéro spécial, c'est qu'ils abordent les EIS de ce point de vue, j'allais dire en interaction. Donc, on voit pas juste, quelles ont été les étapes, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a collecté comme données, qu'est-ce qu'on a fait, mais on s'intéresse à comment est-ce que les acteurs ont parlé entre eux, comment est-ce qu'on a fait participer la population, quelles ont été les difficultés dans le processus, dans le contexte social et politique local qui ont pu faire en sorte que peut-être ça n'a pas aussi bien marché que ce qu'on pensait ou qu'au contraire, ça a fonctionné. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je pense qu'il faut lire ce numéro. Puis j'hésite parce qu'en même temps, je me dis, oui, il y a une autre raison, c'est qu'on aborde différents cas concrets, donc on montre comment ça fonctionne, mais on le montre aussi de cette façon qui est pas seulement technique, mais qui est aussi politique. Et pour moi, ça, c'est important. Puis une autre raison de lire ce numéro, c'est un numéro qui ne se centre pas juste sur la France, il parle aussi d'expérience au Québec. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir une comparaison pour mettre un petit peu à distance ce qu'on fait, voir comment ça se passe ailleurs et pouvoir éventuellement s'en inspirer. Puis, il s'intéresse à des sujets très divers. Donc, il y a la perspective de l'urbanisme favorable à la santé,
qui est très centrale dans la pratique des évaluations d'impact sur la santé en France, mais il y a aussi des questions plus émergentes. Est-ce qu'on utilise les évaluations d'impact sur la santé pour créer des politiques qui répondent au changement climatique, par exemple? Donc, tout ça, ça fait des bonnes raisons d'aller lire ce numéro. La revue Santé publique, c'est une des quelques revues francophones qui va publier de la recherche en santé publique. Et la particularité qu'elle a, qu'elle partage, je pense, peut-être avec la revue canadienne de santé publique, c'est de s'adresser aussi bien à des chercheurs qu'à des praticiens, à des acteurs de terrain. Puis ça en fait un positionnement très intéressant pour justement partager des expériences, partager des résultats de recherche, partager des pratiques et puis pouvoir s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et connecter éventuellement avec des gens qui travaillent sur des questions, des enjeux qui nous sont proches et qui nous intéressent. Et une autre raison pour qui fait l'intérêt du positionnement de la revue Santé publique, c'est son positionnement francophone, mais pas juste centré sur la France, là encore, puisque c'est une revue qui donne accès à ce qui se passe ailleurs dans la francophonie, en Europe, au Québec, mais aussi en Afrique, au Moyen-Orient. Puis ça, c'est aussi une des grandes forces de cette revue-là, c'est d'ouvrir sur le monde francophone. C'est particulièrement important de sortir des sujets qui sont très centré sur le cœur de métier en santé publique. C'est important d'avoir des articles sur la prévention, la protection, la surveillance, la promotion, mais c'est aussi important d'avoir des sujets qui vont déborder de ce que font la majorité, peut-être, des acteurs en santé publique, pour aller aborder ce qui se passe dans le domaine des politiques locales, de l'action publique nationale ou même de la circulation des savoirs en santé publique à l'échelle mondiale, pour justement aller exposer ou partager avec des acteurs de santé publique qui font peut-être des missions plus traditionnelles, ben les liens entre ce qu'ils font et ces autres domaines d'intervention. Donc, exposer aussi à d'autres disciplines. Puis là, je vais parler pour ma discipline, la science politique ou la sociologie, qui, je pense, dans un numéro comme celui-ci sur les évaluations d'impact sur la santé, ont toute leur place pour montrer la richesse des processus sur la mise en œuvre des évaluations d'impact sur la santé. Mais peut-être un dernier point. Je pense que j'en ai probablement parlé un petit peu en réponse à la question tout à l'heure, mais il y a un engouement autour des évaluations d'impact sur la santé. On voit de plus en plus d'articles portés sur le sujet. Il y a des expériences, il y a des juridictions, des pays où on voit que l'évaluation d'impact sur la santé sous différentes formes prend de l'importance. Je pense à l'Australie du Sud. Le Québec a aussi, dans ses lois, ses programmes en santé publique, une place pour les études, les évaluations d'impact sur la santé. Par contre, c'est ce qu'on voit bien, je pense, à travers les articles du numéro, cet engouement, il ne veut pas dire que c'est une place assurée et que vraiment on utilise cet instrument pour mettre un peu plus de santé dans les autres politiques publiques. L'institutionnalisation est fragile. Et ça, on le voit quand les priorités des gouvernements changent, ben peut-être on va mettre moins d'emphase sur les évaluations d'impact sur la santé à l'avenir. Ce qu'on a vu dans une certaine mesure en Australie du Sud au milieu des années 2010. Donc, ça, c'est un enjeu qui est important d'aborder, puis que le numéro aborde pour bien rappeler que même si c'est un enjeu émergent, qui prend une place croissante, ben, il y a encore du travail à faire pour s'assurer de sa pérennité dans les politiques locales et nationales.